10 juin 1940. Jamais, même après Waterloo en 1815, la France n'avait connu pareil désastre. Paris a été abandonné sans combat. Les débris de l'armée sont détruits les uns après les autres, sur la Loire et sur la Saône. Le gouvernement Reynaud, sollicité de toutes parts, vient de s'élargir à deux personnalités militaires aussi proches qu'éloignées. Le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, revenu de son ambassade à Madrid, qui devient le numéro 2 du gouvernement, et tout en bas de l'ordre hiérarchique, l'ancien secrétaire du maréchal, le général de Gaulle, théoricien de l'arme blindée, qui a rompu depuis 10 ans avec son illustre protecteur. Pressé de toutes parts, Reynaud cherche à obtenir un armistice en métropole et à poursuivre le combat à partir de l'Afrique du Nord. Il préserverait ainsi la population d'épreuves supplémentaires, tout en restant tout de même dans la guerre avec son allié britannique. Mais la majorité du gouvernement et les chefs de l'armée, Végan en tête, ne l'entendent pas ainsi. Ils veulent bel et bien user de la cessation des opérations pour engager avec l'Allemagne nazie un processus de paix irréversible qui préservera la France dans une nouvelle Europe qu'ils voient dominée par les fascismes pour un bon siècle. Le 16 juin, Reynaud démissionne et le maréchal Pétain présente aussitôt un nouveau gouvernement dont il avait établi la liste depuis plusieurs jours. Le maréchal devient ainsi, dès ce moment fatidique, le maître d'œuvre d'une mutation catastrophique de la politique française, le régime de Vichy, qui prend peu à peu ses traits définitifs en 6 mois haletants, de juin à décembre 1940. Nous allons revoir le cours de cette prise de pouvoir, étape par étape. Et tout d'abord, pourquoi Philippe Pétain, dernier maréchal de France vivant, alors âgé de 83 ans, devient-il ce personnage incontournable pour toute la classe politique? Pourquoi la solution Pétain? Parce que Pétain apaise par sa personne d'abord. Cet officier républicain, issu d'une famille de cultivateurs du Pas-de-Calais, catholique mais sans excès, est avant tout pour les anciens combattants un chef humain, ménagé du sang de ses hommes, qui a remporté la bataille de Verdun en renonçant au dogme de l'offensive. Par son programme ensuite, une large majorité des Français ne souhaitent pas poursuivre la guerre. Ils sont persuadés que l'Angleterre ne tardera pas à traiter pour son propre compte avec Hitler, Churchill ayant été renversé au préalable. Quant aux élites, elles pensent que Pétain saura éviter au pays une occupation complète. Ainsi intronisé, le maréchal Pétain surprendra pourtant par l'ampleur et la résolution de son action. Et tout d'abord, avec l'armistice. Certes, Pétain, qui fait signer par ses plénipotentiaires l'armistice du 22 juin 1940, obtient, aux yeux de l'opinion française quasi unanime, l'essentiel, la continuité de l'État français, et le maintien d'une large zone non occupée comprenant Lyon, Marseille et Toulouse. Beaucoup se bercent alors dans l'illusion que la présence allemande au nord de la Loire et sur toute la côte atlantique ne durera guère puisqu'on attend un armistice britannique. Personne n'imagine non plus que les centaines de milliers de prisonniers ne reviendront que 5 ans plus tard. La flotte et l'empire colonial sont par ailleurs intacts. Tout le reste, l'annexion immédiate de l'Alsace et de la Moselle au Reich, la constitution d'une zone interdite, comprenant le Nord et le Pas-de-Calais, rattachée à la commandanture de Bruxelles, les dispositions économiques et financières qui s'apparentent à une mise en coupe réglée de la France entière, la remise d'émigrés allemands anti-nazis, contraires à l'honneur, sont alors passées par profits et pertes. Et surtout, l'opinion française n'a pas compris que la mise en place d'un régime français sympathisant du fascisme, désarmé et allié non belligérant de l'Axe, était voulue par Hitler dès le départ. L'habileté de Hitler sera de faire valoir pour d'importantes concessions à la France ce qui n'est qu'habillage d'un compromis optimal pour l'Allemagne.
Fort de cet armistice, Pétain et ses hommes vont à présent passer à la seconde phase de leur plan, la liquidation du régime républicain. Au lendemain de l'armistice, le 23 juin, le gouvernement Pétain s'élargit à un poids lourd de la classe politique, Pierre Laval. Aussitôt, les deux hommes engagent ensemble la seconde phase, la révolution nationale, conjoncturellement favorisée par la destruction de l'escadre de la Méditerranée à Merceil-Kébir par les Anglais. Seule une minorité d'acteurs du drame imaginait encore que Pétain et Laval allaient détruire le régime républicain en place depuis 60 ans. C'est pourtant ce qui va s'effectuer en moins d'un mois, avec le consentement de la classe politique républicaine elle-même, pour sa grande majorité, tétanisée par le désastre et sans aucune pression de Rome ou de Berlin. Certes, depuis la fin des années 30, l'extrême droite gagne en audace et en audience. Cependant, cette minorité agissante et en expansion dans les élites, mais divisée entre monarchistes, républicains autoritaires et sympathisants francs du nazisme, ne peut agir qu'avec le consentement d'une partie au moins des trois quarts des Français qui demeurent attachés à la liberté et à la République. C'est Pierre Laval qui va fournir à cette minorité d'extrême droite les clés de la victoire. Cet ancien socialiste, constamment réélu maire d'Aubervilliers par une clientèle ouvrière, devenu conservateur éclairé après son passage à la tête du gouvernement en 1934-35, est perçu comme un politicien de centre-gauche, ami des États-Unis, et on le croit étranger à tout antisémitisme au vu de ses nombreux collaborateurs juifs. Mais c'est oublier que cet homme, d'une intelligence supérieure, s'est convaincu, après 1935 et l'échec de ses tentatives pour marier Staline et Mussolini aux démocraties européennes, que l'Allemagne se rendrait progressivement maîtresse de toute l'Europe. Dès lors, le salut pour la France, à ses yeux, va consister à jouer les brillants seconds du projet hitlérien pour sortir indemne du grand orage. Ainsi, il vote seul au Sénat contre la déclaration de guerre à l'Allemagne en septembre 1939. L'idéologie pacifiste telle qu'elle s'exprime dans le manifeste Mourir pour Danzig est le ciment du bloc lavalien où se retrouvent socialistes et radicaux égarés par la dureté des temps. Ainsi naît la conspiration anti-républicaine avec ses deux ailes, l'une conservatrice voire réactionnaire, celle de l'entourage de Pétain, et l'autre pacifiste, proche de Laval. Au milieu de cette cohue, le véritable metteur en scène de la journée du 10 juillet 1940 reste Pierre Laval. C'est sur sa proposition que le Congrès de la République, Chambre et Sénat réunis, convoqué à Vichy en zone sud, donne par 569 voix contre seulement 80 tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain à l'effet de promulguer une nouvelle constitution de l'État français. Que cet État français ne fût pas la République, on n'allait pas tarder à s'en apercevoir. En quelques semaines, le gouvernement Pétain engage la France dans la plus vaste opération contre-révolutionnaire jamais entreprise depuis 1815. Suppression du Parlement, mise en sommeil des partis politiques, suppression des syndicats et interdiction des grèves par la Charte du Travail, abolition de la laïcité, réintroduction du catholicisme comme religion officielle, épuration de la fonction publique, interdiction de la franc-maçonnerie et bien sûr, statut des Juifs très restrictif, que nulle demande de l'occupant n'imposait là non plus, mais qui permettait à la France de rejoindre ainsi l'Allemagne et l'Italie dans le concert de l'Europe nouvelle. Toutes ces mesures additionnées font ainsi de la France une dictature fasciste sans fasciste. En sacrifiant les Juifs et les quelques républicains récalcitrants, Laval parvient à incarner tout à la fois la défense syndicale du petit personnel de la Troisième République exsangue et le ralliement sans embâge à l'Europe hitlérienne. Et cette lamentable histoire aura à l'automne deux fins, l'une tragique, l'autre comique. Commençons par la fin tragique, avec la rencontre à Montoir de Pétain et Hitler. Dans cette petite gare de Touraine, les nouveaux vassaux du maître de l'Europe, Pétain et Laval, viennent en effet baiser l'anneau impérial. C'est la célèbre poignée de main entre anciens combattants de 1914 qui engage désormais la collaboration, terme forgé à Vichy, et qui apparaît dans le discours du maréchal du 31 octobre, j'entre dans la voie de la collaboration. Hitler, à cette date, a perdu la bataille d'Angleterre dans le ciel de Londres. Aussi a-t-il besoin de frapper les Anglais ailleurs. Et il se demande si Pétain et Laval ne pourraient pas s'associer à la guerre en Méditerranée contre l'Angleterre. Pétain élude,
mais cherche aussi à assouplir les termes de l'armistice en évoquant une coopération politique plus poussée. Les lois de l'été et l'orientation fasciste du nouveau régime sont un gage de sa bonne foi. Montoir introduit le premier choc anti-pétainiste véritable dans l'opinion. Beaucoup pensent alors que Laval, décidément, en a trop fait cette fois-ci. Cette fin tragique se doublera donc d'une autre fin plus comique. Le groupe traditionnaliste du garde des Sceaux maurrassien, Alibert, et le ministre des Affaires étrangères, Baudouin, montent alors une conspiration qui aboutit à la brève arrestation suivie de destitution de Pierre Laval le 13 décembre 1940. Les Allemands sont furieux de cette pantalonnade. Pendant plusieurs mois, Américains et Anglais, au contraire, guettent l'évolution de Vichy sans Laval. Là, le maréchal Pétain et le nouvel homme fort, l'amiral Darlan, tiennent à rassurer les Allemands et bientôt les victoires hitlériennes du printemps 1941 dans les Balkans et dans le désert de Libye feront ressurgir plus forte que jamais la collaboration militaire. Laval sera finalement de retour début 1942, l'entrée en guerre des Soviétiques puis des Américains excluant toute paix rapide. En l'espace de 6 mois, de juin à décembre 1940, la France a donc été le théâtre du plus grand bouleversement politique de son histoire récente. Un noyau d'activistes, viscéralement opposés à la démocratie, dispose de la complicité de forces initialement républicaines nombreuses. Ces forces parviennent à abolir un siècle de législation républicaine et de progrès de l'état de droit, en profitant de l'anesthésie générale dans laquelle a été plongé le peuple français, traumatisé par la plus cruelle des défaites militaires. Un homme, Philippe Pétain, malgré son grand âge parfaitement lucide et déterminé, aura été l'artisan cynique de cette régression qui introduisait au cœur des élites françaises le poison de la faillite morale. Faire ce constat n'est rien d'autre que de retrouver dans sa polarité opposée l'importance historique capitale du refus gaullien du 18 juin 1940. Par ce geste, encore solitaire, la France manifestait au travers du général de Gaulle que le machiavélisme des uns et le ressentiment des autres ne seraient pas, décidément, le point final de son histoire.